bien. Aujourd'hui, moi, c'est une journée qui me rend heureuse, mon réveil sonne. Puisque à 9h, donc dans 1h, j'ai à la coiffeuse qui arrive. Je suis trop contente, j'en peux plus de mes cheveux. Aujourd'hui, petit changement capillaire. Enfin, j'attends ça depuis longtemps. En attendant, c'est le petit déjeuner devant un épisode de Teen Wolf. Oui, je me refais cette série alors que je l'ai déjà vue 1000 fois. Voilà, prête. C'est la dernière fois que je filme avec cette longueur et cette couleur, même si je vais pas faire un changement de ouf au niveau de la couleur, mais je veux rééclaircir. Voilà, comme j'avais avant, sauf que là, bah, mes racines ont poussé à balle. Bah, du coup, je vous dis à toutes. Je kiffe. Ça résonne dans ma salle de bain, j'aurais dû m'en douter. Je suis trop contente. Alors oui, mes cheveux sont encore assez longs mine de rien. On en a beaucoup parlé avec Parvin du coup, donc la coiffeuse. On a quand même coupé à peu près 12-13 cm, genre. Rien que là, moi ça me fait bizarre. J'aime trop la couleur, donc c'est un balayage assez chaud. Je sais pas trop comment elle dit, genre balayage un peu caramel et tout. Et j'adore, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et en gros, ça, avec le temps, ça se patine vachement bien. Enfin, ça évolue vachement bien. Ma coiffeuse, si jamais, c'est une coiffeuse à domicile du coup qui est sur Rennes. Je vous mets sur Instagram, je l'aime trop. Elle fait des trucs de fou, elle est grave à l'écoute, elle fait en fonction de tes envies forcément, mais aussi de ta forme de visage. On a refait comme j'avais fait la dernière fois, deux petites mèches devant. Trop gentil, mais vraiment c'est une crème. Aussi je voulais vous parler de ça, puisque vu que j'ai pas mal coupé moi de base, je m'étais dit pourquoi pas donner mes cheveux à une association. Et j'ai une abonnée l'autre jour sur Insta qui me dit, je sais pas si t'es au courant, mais il y a un pétrolier qui s'est échoué aux abords de l'île Maurice. Et en gros l'île Maurice a fait un appel aux dons de cheveux, et en France il y a plein de points de collecte, puisqu'en fait les cheveux permettent d'absorber tout ça. Qui est pétrole, hydrocarbures et tout. Moi je m'étais dit bêtement je peux aller dans le point de collecte et donner mes cheveux comme ça. Et en fait là je suis allée sur la page Facebook que je vous mettrai à la limite en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait il faut que ce soit des coiffeurs qui y aillent, parce qu'il faut que ce soit des grands sacs avec plein de cheveux dedans. Du coup bah elle était là, j'en ai parlé à Parvin. Elle m'a dit bah tu sais quoi, donne moi tes cheveux, je vais collecter les cheveux de la journée. Voilà, je me dis que mes cheveux au lieu de partir à la poubelle serviront à une bonne cause. Donc si jamais, renseignez-vous aussi, il y a énormément de points de collecte en France. Bref. En gros je vais rendre service à un copain qui a un problème. Il m'a appelé hier soir un petit peu en détresse avec un proche à lui. Il est tombé en panne de voiture. Il se retrouve sans voiture, donc il m'a dit est-ce que tu peux m'emmener chez moi, que j'aille chercher ma voiture. Enfin bon bref, tout un délire. En gros il faut que je l'emmène chez lui. Bon allez, je vais partir parce que je vais me faire gronder parce qu'il va me dire t'avais dit que t'étais parti. Du coup, bah là je sais pas quoi faire. J'ai plein de choses à faire mais j'ai la flemme. En fait j'aimerais bien aller me balader. Oh mais quelle feignante je suis des fois. Bon, c'était presque sûr que j'allais craquer. Je suis dans ma voiture puisque j'ai eu envie de me balader, voilà. Donc là je suis à un coin pas très loin de chez moi. Pareil, j'allais courir ici très souvent. Et j'ai pris mon trépied, voilà, comme la dernière fois. Je vous avais emmené aussi, vous allez croire que je fais que ça de ma vie. Mais j'aime trop faire ça. Donc écoutez, petite balade de l'une petite mamie. On se balade. J'adore ce petit coin. C'est trop mims. Est-ce que je tente la photo? Allez, on va tenter. Bon, bah écoutez, petite balade faite, voilà, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Et franchement, je pense que je vais revenir faire mes footings ici parce que c'est un endroit super calme. J'aime trop venir là. Sauf quand il y a des bruits bizarres. Bah, let's go à la maison, prendre un petit thé, un petit goûter. Et puis, let's go bosser un petit peu quand même. Mais qui sait que voilà? Alors je vous retrouve, je suis à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets mon poste de travail. Et en gros il n'y a pas très longtemps on a fêté les 1 an de mon neveu. Et j'étais chargée d'être la photographe vidéaste on va dire. Donc, je continue le tri des photos parce que j'en avais 350 de base, il en reste encore 250. Je vais vite fait les retoucher pour les sublimer. Je vais continuer le montage vidéo du coup parce que je leur prépare une petite vidéo que je vais mettre sur YouTube en non répertorié. Comme ça il n'y aura que ma famille qui aura accès et je leur enverrai tout ça. Et donc let's go, je vais continuer ça tranquillement. Hibou, t'as assis? La pâte? Non, tu donnes? Ouais, tiens mon cœur.
bon appétit. Alors je vous retrouve en plein pendant ma routine soin. J'essaye de pas parler trop fort parce qu'il y a mon papa qui est couché. Je voulais vous faire un petit update, vous savez, par rapport au sérum anti-acné que j'ai fait en vidéo avec vous. Je crois à peu près un mois que je l'utilise. Je vous montre ma peau de très près, mais voilà. J'ai plus beaucoup de boutons, tout ça ce sont des cicatrices. Hein. J'en ai juste eu un tout petit peu là, mais pff, rien du tout quoi. Donc ma peau l'aime beaucoup. Je l'applique pas tous les soirs. Et ma peau l'adore. Ça l'a pas desséché, ça l'a pas non plus regressé ou quoi. Je suis trop contente. J'aime beaucoup trop ce petit sérum. Oula, je m'apprête à aller faire dodo. De toute façon, moi, je vous retrouve tout de suite. A tout de suite et bonne nuit. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va toujours bien. Bah oui, en fait, c'est la même vidéo, je suis bête. J'ai vraiment un timing assez incroyable puisque Lucifer, la nouvelle saison, sort à 9h01 et qu'il est 8h57. Je suis là, j'attends tranquillement, mon petit thé est prêt, je suis contente, j'ai trop hâte. S'il y en a d'autres qui regardent Lucifer là, dites-le moi en commentaire, mais pas de spoil. Bon, je vous retrouve quand même un peu plus tard, je suis pas fière de moi. Je n'ai fait que regarder des épisodes de Lucifer, j'en ai déjà vu 3. Je sens que cette journée ne va pas être productive. Mais il est l'heure de se faire à manger et je vous prends, puisqu'en fait, il y a un compte Insta que je suis depuis un moment qui est Recette Échelon 7. Et que j'adore et elle propose plein de recettes mais j'en ai jamais testé pour l'instant. Il y a une recette que j'ai repérée il y a un moment, c'est celle du croque McDo maison. Je me suis dit ça a l'air si facile à faire, je vais tester. Et il faut noter que je suis une quiche en cuisine. Ce jeu de mots me fera toujours rire, c'est vraiment nul pourtant. Ah ouais, ça s'aplatit vachement vite ça en fait. Le seul truc c'est que normalement il faut du fromage à croque-monsieur et moi j'ai que du fromage cheddar et mental. Écoutez, pour l'instant ça a vraiment une tête de croque-McDo. Ça on peut pas nier, ça a une sale tronche. Oh. Mis à part le fromage qui a un goût différent vu que c'est au cheddar, ça a grave le goût du croque-McDo. Trop bon, bah je vous recommande de ouf sa recette. Bon, j'ai enfilé ma petite tenue de sport. On va parler très rapidement de sport, hein. Je vais vraiment faire rapide, mais en gros, si vous me suivez depuis des années, je vous en parlais beaucoup à l'époque, je courais énormément, je faisais beaucoup de courses à pied parce que c'était un sport qui me faisait beaucoup de bien mentalement et vraiment, bah, je prenais plaisir à faire de la course à pied. Puis j'ai eu des problèmes à un genou, une tendinite et ensuite des problèmes de dos et clairement mon kiné m'interdisait de faire de la course à pied. Sauf qu'il y a quelques mois maintenant, il m'a dit que je pouvais reprendre doucement quoi. J'ai essayé et j'ai pas du tout eu la motivation de continuer puisque bah, en fait j'ai tout perdu, c'est-à-dire que là je n'arrivais même plus à courir 1 km. Alors qu'avant, je faisais 5 minimum à chaque fois et j'étais allée presque jusqu'à 10. Vraiment, la course à pied, c'est un sport que j'aime énormément et qui me permet d'évacuer le stress. Et moi, j'en ai vraiment besoin. Je suis une petite boule de stress. Moi, je suis une boule de nerfs. Donc, j'étais dégoûtée et ça m'a démotivée complètement. Et on dirait une sponsorisation, mais pas du tout. C'est une appli que j'ai découvert par hasard et je l'aime trop. Qui est trop bien, qui est gratuite. Bon, pas d'ailleurs que ça. En fait, ils ont plein d'applis. Il y a des trucs. Il y a une appli abdo-fessier. Enfin, il y a plein d'applis différentes. Donc, cette appli, du coup, elle s'appelle Commencer à courir et comme vous pouvez voir il y a 4 niveaux d'entraînement selon votre but, donc moi j'ai pris le niveau 1 parce que clairement c'est pas possible sinon. Normalement au bout de 4 semaines si tu fais comme ils disent tu peux courir 20 minutes à suivre à force de t'entraîner. Après t'as le niveau 2 pour courir 30 minutes, ensuite 40 minutes et ensuite 60 minutes. Donc moi comme vous pouvez voir là je suis au niveau 1 et je suis là du coup à la 5ème course. Je vais vous montrer par exemple l'entraînement que je vais faire aujourd'hui, donc c'est une séance qui va durer 30 minutes sauf que je vais courir 12 minutes et le reste c'est de la marche. Et en gros pendant que tu cours ça te fait des décomptes et ça te dit quand marcher, quand courir, ça prend combien de kilomètres tu cours, ça te prend plein de statistiques et je la trouve trop bien parce que le fait d'être guidée comme ça, bah moi ça me motive de ouf. Et par exemple là je vais vous montrer vite fait mes statistiques de mes autres courses à pied. Mais vous voyez le tout premier entraînement j'ai couru 6 minutes et j'étais en mode putain c'est trop facile. Sauf que de faire au fur et à mesure comme ça, bah c'est trop bien, moi ça me motive de ouf. Après méfiez-vous parce que moi j'ai repris le sport parce que du coup mon kiné m'a autorisé et que j'en ai parlé à mon médecin parce que moi j'ai fait une longue pause de sport et c'est pas bon pour le corps de reprendre trop vite. Donc voilà, donc je vais aller courir, ma séance elle est censée durer j'ai dit quoi du coup 30 minutes et puis je vous retrouve après. Je suis légèrement rouge. Et bah dis donc, c'est quoi le prochain entraînement? 14 minutes de course. Oh purée, faut que j'aille t'acheter des croquettes, t'en as plus. Ah oui, parce que c'est dindon. J'avais reçu des croquettes qui ont vraiment une excellente compo et tout. Bref, j'avais reçu des croquettes pour lui, j'étais trop contente. Et bah voilà, là j'étais à la fin de son paquet, je me suis dit c'est le moment, je vais mélanger ses anciennes avec les nouvelles. Sauf qu'il trie, et les nouvelles il en veut vraiment pas, ça fait presque une semaine que j'essaye. Là j'entends, il trie. Il est en train de trier. Bon, je vous retrouve après un petit moment. J'ai fait une bonne douche. Je suis allée acheter des croquettes à mon petit chat, un peu en urgence du coup. Et je suis allée chez ma maman. À la base, j'y allais parce que j'avais besoin d'un truc. Et puis au final, elle était là. Du coup, j'ai passé un petit moment avec elle. J'ai bu un petit thé.
Et puis là, je vais faire une activité que j'aime trop faire, qui me détend trop. Je vais me mettre en mode musique. Et en gros, je vais enfin m'occuper de mon nouvel agenda, puisque ça y est, on arrive en septembre, donc voilà, je vais noter des trucs sur l'année, les vacances, la reprise des cours, les partiels, c'est quand, commencer à colorier. Je suis désolée si vous entendez de la musique, c'est mon papa qui écoute de la musique dans le salon. Bref, là j'ai arrêté du coup de faire du coloriage et je pense que ça fait genre presque une heure que je réfléchis à mon sujet de mémoire. Alors j'ai un peu le temps, je pense que... Mais c'est pas possible. Je pense qu'à la pré-rentrée en plus de ça, ils vont nous causer de tout ça. Donc voilà, peut-être que je m'y prends trop à l'avance, je sais pas. C'est très dur de choisir un bon sujet, un sujet qui nous passionne et qui en plus de ça est pertinent et tout. Du coup voilà, j'étais en train de noter mes petites idées qui me venaient. Et là je pense que du coup je vais descendre, je vais rejoindre mon papa. Je suis pas sûre de beaucoup filmer ce soir parce que c'est petite soirée en famille, du coup je profite. En plus je suis pas chez moi demain soir, donc voilà. Donc voilà, je vais descendre tranquillement. Eh bien écoutez, je vous retrouve seulement maintenant et pour vous dire bonne nuit du coup pour moi. Enfin, je vais d'abord appeler une copine mais après je vais aller faire un gros dodo. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux très gros bisous. Ciao !